vas compter le nombre de personnes là-bas, tu vas rajouter les bassins. Tu vas encore. Tu vas encore me diviser ça. Chaque bassin, tu vas encore diviser en 2-2. Quand je lave, je n'ai pas besoin de beaucoup d'eau dedans. Éternel des amis, Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint. Apporte-moi les bassines. Il a besoin de bassines ici, là. Mettons-nous en présence du Seigneur. Éternel des amis, nous venons dans ta présence aujourd'hui. Nous nous couvrons du sang de Jésus. Et Seigneur, nous te demandons de veiller sur ce que nous allons faire. Nous te demandons ta sagesse divine. Nous savons que ce n'est pas par notre force, mais c'est par ta grâce. Cette grâce que nous n'avons pas méritée. Père très saint, je demande que tu ouvres l'esprit de chaque personne ici, que nous puissions comprendre ce que nous avons déjà en toi, ce que tu as déjà fait pour nous. Que nous ne venions pas à toi parce que nous avons fait, parce que nous avons trop prié, parce que nous avons trop... Mais que nous venions comme des enfants qui viennent recevoir ce qui est leur droit de naissance. Seigneur, je sais que tu ne fais pas de discrimination. Même si nous avons perdu nos parents, que ce soit le père et la mère, qu'on sache que tu as déjà tout donné. Si jamais nous voulons nous ouvrir, je viens contre toute incrédulité, tout esprit de religion qui va vouloir vous enfermer dans un dogme particulier. Je demande la présence des chérubins, de la Vierge Marie, du Saint-Esprit. Je demande aussi à vos anges de vous ouvrir l'esprit, que vos cadeaux vous soient donnés au nom puissant de Jésus. Je neutralise tout esprit de contrôle à distance. Je neutralise tout œil maléfique. Je neutralise aussi tout esprit de faiblesse, toute mauvaise pensée qui va vouloir s'incruster. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Monsieur Mbab, je veux de la lumière ici. Monsieur Mbab. Regarde, viens allumer. Là-bas, je vous dis. Non, je ne veux pas là-bas, je veux ceux qui sont derrière. Si tu as mimé encore, mais je ne veux plus ici, là. Mm-hmm. Vous savez, vous devez comprendre que votre... Bon, je vais remettre ma connexion, mais je n'ai pas assez d'internet. Bon. Votre vie va changer le jour où vous allez comprendre que mon père a fait de son mieux, ma mère a fait de son mieux. Peut-être qu'ils n'ont même rien fait. Maintenant, moi, je me décide à partir d'aujourd'hui que je prends ma vie en main. On n'est pas venu pour accompagner les gens sur la terre. On n'est pas venu pour avoir les gens dans les voitures, nous, on marche à pied tous les jours. On n'est pas venu ici pour que d'autres personnes... je sais pas comment elle peut dire, il passe des crabousses avec la voiture. Pourquoi tu fabriques ton produit, tu ne vends jamais, mais tu sois toujours dans le besoin. Il y a la maman ici, que tu es venu avec tes deux enfants, ils t'ont demandé, tu as lancé la poule pour eux, tu dis non. Et je suis sûr que c'est des questions, il y a plein de choses que tu n'as pas fait pour eux. Ok, mamie, je ne suis pas ici là seulement, je ne suis pas là pour, je te prends comme un exemple. Si vous voulez, vous faites tout le monde, ne faites pas. Et c'est que quand elle parle dans mes vidéos, celui qui comprend, il fait, celui qui comprend, il ne fait pas, tant mieux. Ce qui est sûr est que quand tu vas avoir ton argent, même la dîme parfois, vous oubliez de venir me donner. Mais quand tu es bien, ça commence d'abord sur ton corps, sur ton propre corps. Et je crois que vous pensez sûrement que la fête sera facile. Non, je suis sûr que quand elle va commencer, ça va aller. La spiritualité, c'est la détermination. J'étais ce matin à Tchopéyamo. Je me suis assis, j'ai vu comment le manager leur parlait. Et je me suis rendu compte que les problèmes qu'il a là-bas avec ses employés, c'est les mêmes problèmes que j'avais avec mes employés ici. Les enfants camerounais n'ont pas de caractère. Ils sont habitués à tout abandonner. Tu es là, tu as 22 ans, tu as 25 ans, tu as 30 ans. Tu t'attends à ce que ton père fasse tout pour toi. Même 45 ans, vous attendez que ta mère pas te... Tu es en Europe là-bas, ça fait combien d'années? Tu as 45 ans, tu t'attends à ce que ta mère pas te fasse ton travail spirituel? Réveillez-vous! Et vous dites que dans la fin, si ce n'est pas question de dire que j'ai l'argent, je n'ai pas l'argent. Je connais des gens qui n'ont presque pas d'argent. Il y a une femme qui est venue dans l'atelier que j'ai fait la semaine, le mois passé. Elle vend les tomates. Quand on se présentait, elle vend les tomates au marché. Mais elle est assise ici avec nous. Donc vous devez comprendre que votre vie va changer quand vous allez vous lever vous-même. Et vous allez commencer à dire que, gars, je suis fatigué de la situation aussi. Sinon, ta mère va travailler sur un certain bout. C'est pour ça que tu vois souvent quelqu'un, quand sa mère meurt, c'est comme si tout ça avait fini sur la terre. Ma mère était mon tout. Ma mère était mon tout. Parce que quand ta mère faisait les choses, elle disait, prends ça même, tu me laves toi-même avec mon nom. Non, oh, la mère s'y dérange. Dieu n'est pas impartial. Moi, il vous dit, cache. On n'a pas venu ici pour que tu as peut-être les Américains qui sont riches,
tu as les Camerounais qui sont censés être pauvres pour toujours, et tu as peut-être les Nigériens qui ont un peu l'argent. Il y a... Non, c'est bon comme ça, tu peux laisser. Je ne veux plus personne ici là. Vous tombez sur ma page chaque jour. Vous écoutez, ah mais oui, ce qu'elle dit là, c'est intéressant. Hein? Vous pensez que je vais courir derrière vous. 98% d'entre vous, oh mes parents n'avaient rien fait. Ma mère n'a jamais rien fait. Oh mon père n'a jamais rien fait. Toi-même, tu dois comprendre à un niveau que si ma vie change, c'est parce que moi, je me suis levée. Et je pense que c'est la meilleure place. Quand tu sais que j'ai fait que A, ça m'a donné B. Demain, tu sais que si elle veut monter encore, je ne peux pas faire autre chose pour que ça monte. C'est pour ça que vous avez dit que, oh, il est dans la secte. Oh, il est dans ceci. Parce qu'on a dit à la personne que lave-toi chaque jour à minuit. Il s'est levé à minuit, il s'est lavé. Vous êtes ici, si on vous dit que pas te laver à telle heure. Ah, moi, j'étais fatiguée, hein? Je dormais. Ah ben, vous les voyez que quand on va garer la voiture, il va sortir, il va contourner le carrefour 5 fois, il va entendre sa voiture partir. Parce qu'il a compris qu'il est prêt à faire ce qu'il faut. Et la spiritualité, ce sont des principes que certaines personnes ont compris. C'est celui qui applique fidèlement. S'il pleut par exemple, tu te dis, ah, moi je suis en fer, ou bien tu es en sel, je ne sais pas trop quoi. Tu dis que tu n'as pas besoin de parapluie. Tu pars dans la pluie, tu commences à marcher, bien sûr tu seras mouillé. Une autre personne, sa voiture est garée dans le garage, dans la maison. Il entre dans la voiture, il conduit, il traverse toute la pluie, il arrive dans un autre endroit, il sort dans l'immeuble. Même une goutte de pluie ne va pas le toucher. Pourtant, vous avez marché sous la même pluie pour vous rendre à deux endroits différents. Comprenez que la spiritualité répond à des principes que vous avez mis en place. Donc, on ne donne plus son pouvoir à quelqu'un. Ce n'est pas au pasteur, ce n'est pas dans ma main. Je ne suis qu'un guide, et je vous dis ça tout le temps, je ne suis qu'un guide spirituel. Je suis là, je vous guide, et vous partez faire ce que vous avez à faire. Les gens venaient me dire, waouh, je suis allé, j'ai lancé la poule, j'ai vu mon père dans le rêve. Waouh, peut-être que depuis que 15 ans que ton père est mort, tu ne savais même pas que ton père est là. Tu ne savais pas qu'il y a quelque chose que tu peux faire, tu vois ton père dans le rêve. Maintenant, je vous dis, si vous écoutez mes vidéos, vous savez que j'en parle tout le temps. Vos ancêtres ne sont pas morts. Le corps n'est plus là physiquement. Mais l'esprit est là. Et c'est vrai qu'ils sont déjà morts, mais ils meurent d'envie de vous aider. Donc voilà le lavage qu'on va faire aujourd'hui. J'aimerais que chacun comprenne. J'ai demandé qu'on vous donne les papiers pour que chacun écrive sa page sur ça. Ce n'est pas parce que ta mère a écrit pour toi qu'il va marcher pour toi. Ce n'est pas parce que ta mère a écrit pour toi qu'il va marcher pour toi. Et si quelqu'un ici là, il pense que, ah, qu'est-ce qu'ils sont montés faire ici là? Vraiment, qu'on fasse vite après, je rentre. Si tu es décidé, tu dis que c'est bon, je suis fatigué de souffrir. Je suis fatigué de rester à la maison. Je suis fatigué de, je ne sais pas ce qu'il y a dans votre vie que vous avez pensé que c'est bon. Dieu va prendre chacun là où il a sa foi. J'ai dit encore, Dieu va prendre chacun là où se trouve sa foi. Si maintenant tu fais la paresse, ne t'inquiète pas. Il y a une dame qui me disait tout à l'heure que, ça fait même pas 2-3 minutes, la dame me disait, voilà, sa soeur est partie dans une église, elle s'est fait baptiser. Je lui dis que ma chérie, c'est chacun qui sent dans son corps. Laisse-la là-bas. Tu vas parler n'importe comment. Le jour où ce sera fort sur elle, et qu'elle est prête. Elle va te dire que tu me disais me laver avec le sel depuis, que c'était quoi encore? Soit elle va même commencer elle-même à se laver avec. C'est quand tu vas voir que tu vas dire, ok, ajoute maintenant ça ou tu ajoutes ça. Donc arrêtez vos affaires là. Donc, on va lire le psaume 119. Et quand on fait le lavage, je vous ai déjà dit que c'est la bagarre. Chacun bagarre sur sa part de destinée. Celui qui est calme. Ah, tu sais, depuis que tu m'as lavé, je n'ai rien senti dans moi. Je ne sais même pas. C'est comme si on n'avait rien fait. D'accord, il n'y a pas de problème. Le psaume 119, à partir du verset 1. Je suis heureuse parce que je suis intègre dans ma voie. Je marche selon la loi de l'Éternel. La loi qu'on vous a dit à l'église et la loi réelle de l'Éternel sont deux choses différentes. Dieu a des lois. Il y a les sacrifices, il y a les offrandes, il y a les lavages. Jésus, parfois, il envoie quelqu'un qui va te laver dans telle eau. Le ministère de Jésus a commencé quand Jean-Baptiste l'a lavé. Donc, le lavage a plein de mystères. Avant que Jésus ne parte, il a pris tous ses disciples, il a lavé leurs pieds. Il a dit, si je ne vous lave pas, vous n'avez aucune part en moi.
C'est-à-dire, c'est un acte physique que je fais, mais qui a une connotation spirituelle. Et à chaque fois que je verse l'eau sur moi, si j'ajoute à cela des intentions, j'ajoute à cela une pensée ou un désir ou une demande, j'ouvre un portail spirituel pour recevoir mes réponses. Il y en a ici, là, vous avez besoin d'argent. Bon, c'est vrai que tout le monde a besoin d'argent. Il y en a, vous voulez que votre business marche. Tout ce qui concerne votre vie est relié à votre personne. Que ce soit ton mari, que ce soit tes enfants, que ce soit ton business, ton magasin, que ce soit ton diplôme, que ce soit l'emploi, que ce soit ton visa, ça porte ton nom. On dit le mari de Jocelyne, le bureau de Jocelyne, la maison, la voiture de... Ça veut dire que c'est relié à toi. Et c'est ce que tu dis de cette chose qui se passe. C'est vrai que vous ne pensez, vous ne savez même pas. Ah, tu sais, mes enfants sont têtus. Hein? Ne t'inquiète pas, ils seront têtus parce que toi-même, tu avais dit. Les enfants de Jocelyne sont têtus. D'ailleurs, j'annule ça, mes enfants ne sont pas têtus. Si tu as dit peut-être que mon business, ah, vraiment, les affaires ne marchent pas trop. Hein? Ah, la boutique de Jocelyne, là, parce que toi, tu as ouvert ta bouche, tu as dit. Donc, je suis heureuse parce que, le psaume 119, verset 2. Je suis heureuse parce que je garde les préceptes du Seigneur et je le cherche de tout mon cœur. Je ne commets point d'iniquité et je marche dans ses voies. Seigneur, tu as prescrit des ordonnances et je les observe avec soin. Vous allez voir que Dieu, c'est un Dieu de... Il donne des instructions. C'est que les jeunes d'aujourd'hui pensent que, comme ils sont têtus, ils sont très intelligents. Ah, moi, je vais faire ce qu'il veut. I'm gonna do what I want. Le monde ici est aussi vieux que je ne sais pas ce qu'il peut vous dire. Rien n'est nouveau. Si les gens, il y a cela des années, ils ont eu du succès parce qu'ils faisaient leur lavage. Toi, tu viens, tu dis, ah, moi, il n'y a pas besoin de lavage. Ok, va, tu souffres. Va, tu souffres. Et c'est ce que vous rejetez et que vous jugez. Vous allez voir d'autres personnes vont partir, ils vont faire. Et beaucoup de gens de vos familles, les cousins, cousines, tantes, ils connaissent. Un jour, j'ai un monsieur qui m'appelle et me dit que le lavage à l'urine, il se rappelle que sa tante et son oncle avaient des cousins de la maison où ils vivaient. Ils pratiquaient ça depuis qu'il est petit. J'étais au Gabon, il me voit en route comme s'il m'arrête. Il m'interpelle, il commence à me dire que le lavage au pipi, je me suis rendu compte que ma tante et mon oncle faisaient ça depuis que je suis petit. Je lui demande que tes cousins sont où? Ah, ils sont tous, ils ont des bons postes dans le ministère ici là. Ils ont. Je lui dis, ok, est-ce que toi alors tu fais maintenant le lavage là? Bon, je me débrouille, j'essaye. Beaucoup de membres de votre famille connaissent ces choses et ils ne vous disent pas. Ils peuvent te faire en cachette. Maintenant, quand ils viennent, j'expose, je montre. Comme vous voyez ma tête, je ne ressemble pas à ce qui vous plaît. Je dis que ah, je vais faire un jour, je vais faire. C'est chacun qui va sentir ça dans son corps. Beaucoup d'entre eux, quand ils passent sur ma page, ils connaissent. Certains viennent me dire, en inbox, ils me disent que non. Vraiment, ce que tu es en train de dire là, tu donnes des choses aux gens que les gens ne comprennent même pas. Seulement le lavage au sel, ça change la vie des gens. Tu te laves au sel? Non, tu vois, de temps en temps. Tu veux que je me parle, pourquoi on n'a rien à se dire? Verset 9. Comment le jeune rendra-t-il son sentier pur? En se dirigeant d'après ta parole. Dieu va te donner des instructions. Je vous en parle ici. Il y a les dons à l'orphelinat. Il y a les dîmes, il y a les offrandes. Il y a lancer la poule au village. Il y a les sacrifices. Il y a tellement de choses. Si quelqu'un me suit, après, il vient dire, oh, ma vie ne marche pas. Il dit, tu te laves au sel. Tu es là, même pas, tu lances une poule au village. Tu vas alors quoi? Si même la base, tu n'as pas commencé à faire. Donc, j'espère qu'à la maison, vous avez pris du temps pour apprêter votre part d'eau pour faire votre lavage. Donc, on va d'abord passer par la purification. On va prendre le psaume 51 que vous allez répéter. Et comprenez que personne ne décide sur votre vie comme vous. Même pas vos parents. Il y en a parmi vous ici là que vos pères vous ont vendu. Vous ne savez même pas. Ton père t'a vendu. Mais toi, voilà que tu es en train de voir un peu. Tu es en train de commencer à... Ça marche un peu. Parce que tu vois que tu as commencé à faire ton travail spirituel fidèlement. On est parti te donner quelque part.
Hey, mon argent commence à venir. Je fais aussi les trucs, je vois l'argent. J'ai passé 10 ans, tout ce qu'il faisait, ça tombait seulement. Tu arrives quelque part, on te donne le traitement, tu dis que je vais faire. Tu pars, tu ne reviens plus jamais. Parce qu'il y a un truc qui te contrôle. Donc, on va répéter ensemble. Oh Dieu, aie pitié de moi. Oh Dieu, dans ta bonté. Dans ta bonté. Selon ta mise grande miséricorde. Selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Vous allez maintenant dire votre nom. Lave-moi complètement, moi, tu dis ton nom. Moi, Georges, lave-moi complètement. Non, vos bouches là. Est-ce que vous savez que c'est dans bagarre là? Vous savez ça? Vous savez pas qu'on est dans la bagarre maintenant? Et je veux rappeler ceci. Peut-être que vous avez fait un lavage le mois passé, surpassé, je ne sais pas. De la même façon que physiquement, on doit se laver pour enlever la saleté sur soi. Spirituellement, il y a des choses qui s'ajoutent sur toi tous les jours. Tous les jours. Donc, Éternel des armées, lave-moi, Jocelyne, complètement de mon iniquité. Purifie-moi de mon péché. Purifie-moi de mon péché. Je reconnais mes transgressions. Je reconnais mes transgressions. Et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, Seigneur. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Et je sais que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. Je suis né dans l'iniquité. Purifie-moi de cette iniquité. Ma main m'a conçu dans le péché. Pardonne-moi, Seigneur, de ce péché. Tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais pénétrer en moi la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope. Et je serai pur. Lave-moi. Quel que soit le tribunal spirituel. Terrestre. Céleste, marin, dans lequel j'étais accusé, justifie-moi, Seigneur, libère-moi de tout fardeau, Éternel, annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os qui sont brisés en moi se réjouiront. J'appelle toutes mes richesses des quatre coins de la terre. Je restaure mon étoile. Seigneur, crée en moi un cœur pur. Donne-moi les pensées pures. Donne-moi la vision de mon futur. Je me libère de tout environnement maléfique. Délivre-moi de tout sang qu'on a versé contre moi. Sang d'humain, sang d'animaux, délivre-moi, Seigneur. Par le sang de Jésus-Christ, je déclare que je suis libéré. Rends-moi ta joie, Seigneur. Mets en moi un esprit de bonne volonté. Éternel, délivre-moi. Ouvre mes lèvres. Je reçois le courage. Je refuse la peur. Je déclare à partir d'aujourd'hui que tout ce que je touche va marcher. Je déclare tout endroit où j'ai déposé mon dossier. On va m'accepter. Au nom de Jésus. Lisez ce qu'il y a sur votre papier. Seigneur, je te confie tes enfants. Éternel des armées, je viens ouvrir les cieux. Papa Yahweh, nous venons détacher chaque personne qui est représentée dans ce lavage. Nous venons les détacher. Nous venons défaire leurs liens. Nous déclarons que tout endroit où ils ont été attachés, selon Matthieu 18 au verset 18 et 19, nous accordons et vous, nous venons les détacher. Toute destinée qui a été enterrée ici, tout talisman qu'on a enterré en prononçant votre nom ou le nom de votre famille, je déclare que ces talismans sont détruits. Ange Michael, je t'envoie dans les concessions au village, là où on a enterré les objets spirituels. On a pris les cheveux, on a pris les cordons ombilicaux. On vous a attaché, on vous a enterré là-dedans. Je vous libère. J'ouvre vos yeux.
Vous ne connaissez pas demander. Je vois que vous demandez comme si vous étiez à la boutique là-bas. Parlez. Seigneur, je restaure mon mariage. Seigneur, voilà mon âge, je dois déjà être marié. Seigneur, mes enfants doivent avoir une situation financière. Bougez le Seigneur dans votre prière. Me voici depuis combien d'années, je n'ai pas de papier. Seigneur, je dois défier tout ce que les gens ont dit sur moi. Que tu ne vas pas t'en sortir, tu ne vas pas avoir les papiers. Éternel, sauve-moi. Tout homme qui s'est intéressé à moi et qu'on a découragé, Éternel, je le rappelle. Papa Yahweh, ouvre ma destinée maritale. Seigneur, ouvre mon utérus pour que j'enfante. Seigneur, le business, c'est que je viens de mettre sur pied. Je déclare qu'il ne va pas tomber. Seigneur, nettoie toute mauvaise pensée de mon esprit. Toute personne qui est envoyée pour me détruire. Dans mon entourage, mauvaise compagnie, je m'en libère. Toute personne qui a attaché mes enfants, je touche mon nombril maintenant, Seigneur, et je détache tout le qu'on a fait sur mes enfants pour les emprisonner. Détachez vos enfants au nom de Jésus. Détachez vos enfants. Les demandes de visa qui sont bloquées là-bas depuis. Seigneur, je donne 7 jours pour qu'on appelle mon enfant. Je déclare que l'enfant va voyager avant la fin de cette année. Tu as demandé l'asile depuis, tu es bloqué. Seigneur, je mets l'accélération sur mon dossier. J'enlève la faiblesse dans mon corps. J'ouvre ma gorge. Mettez la main sur la gorge, j'ouvre ma gorge. Seigneur, je déclare que j'ouvre ma gorge. Je n'ai plus peur au nom de Jésus. Je n'ai plus peur, Seigneur. Toute personne qui m'opprime dans le rêve, je suis victorieux au nom de Jésus. Déposez la main sur le ventre. Tout esprit serpent qui a été déposé dans mon corps, tout mari de nuit, toute femme de nuit qui vient voler mon argent, qui m'empêche de me marier, qui m'empêche d'enfanter, qui empêche qu'on s'intéresse à moi, je déclare que tu meurs maintenant. Par ce lavage, tu te décomposes. Toute prison spirituelle et physique dans laquelle je suis. Tu es dans une maison, tu veux sortir de là depuis, tu n'arrives pas. Tu accumules l'argent comme ça, l'argent disparaît. Tu accumules l'argent, la maladie sort. Le visa de l'enfant que tu attends depuis, ça fait un an et demi, on t'a besoin de réponse. Toute personne qui a attaché mon enfant dans sa maison, les enfants là voyagent, ils viennent me trouver. Ouvrez vos bouches, vous demandez. Tout produit de ma terre, tu as cultivé le champ, tu as les produits en main, ça ne sort pas. Tu as ouvert le magasin, tu as investi à 5 millions, voilà le magasin qui est ouvert. Tout mauvais employé, tout mauvais client, toute poudre maléfique, toute incantation qu'on est venu faire pour bloquer mon activité, je viens annuler par la puissance de ce lavage. Je déclare que quelqu'un veut déposer mes pieds dans ce magasin. Je vais déposer mes pieds dans cet endroit. Je déclare la libération au nom de Jésus. Toute force qui m'a attaché, toute force qui m'a attaché, qui me suce mon énergie, qui me suce mes idées, je déclare que je suis libéré. Isaïe chapitre 10, verset 27. Je déclare qu'aujourd'hui c'est le jour. Aujourd'hui c'est le jour. Seigneur, à cause de l'onction, tu as dit que le joug sera détruit. Tout joug familial, tout fardeau familial dans lequel je suis, tout trou, tout puits qu'on a creusé, on a mis les membres de ma famille, moi-même on m'a mis là-dedans. Je viens me sortir de là. J'enlève tout fardeau de mon cou, de mes épaules, au nom de Jésus. Je fais éclater les chaînes qui m'ont retenu, au nom de Jésus. Luc chapitre 4, au verset 18, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il me libère de toute prison. Je reçois mes papiers. Je reçois mon visa. Je reçois. Il y a même les trucs que tu as commencé à parler avec ton enfant. L'argent est parti. J'appelle l'argent dont j'ai besoin pour finir les papiers de l'enfant. J'appelle l'argent pour payer son billet d'avion. J'appelle l'argent pour payer les procédures dont on est en train de commencer là au nom puissant de Jésus. Libérez vos enfants. Tout ce que dans lequel on a mis mes enfants. Si vous n'avez pas écouté vos enfants, mettez la main sur le nombril. Tout ce que dans lequel on a enfermé mes enfants, ma famille,
J'intercède ici au nom de ma famille. Je libère mes frères. Je libère mes soeurs. Il n'y a pas l'entente dans le foyer. Quand tu dis A, monsieur dit ça pas B. Quand vous pensez à quelque chose le matin, à midi, vous faites autre chose. Je chasse de notre maison, de notre foyer, de notre lit conjugal, tout esprit négatif, tout esprit de découragement, tout esprit de zizanie. Je le chasse. Je mets l'harmonie dans mon foyer. Genèse 2, verset 24. L'homme va quitter son père et sa mère. Il va s'unir à sa femme, il va devenir une chair. Je déclare que toute troisième personne qui a voulu nous séparer, tu meurs aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Mettez la main droite dans l'eau, vous mettez sur le visage. Vous essuyez le visage. Je déclare que tout voile qu'on a mis sur moi pour me bloquer, pour faire qu'on ne me voie pas, pour faire qu'on ne me donne pas ma faveur, qu'on ne me donne pas mon argent, les dettes que j'ai dehors, je déclare que je rembourse. Les personnes qui me doivent, j'appelle cet argent. Tout ce qui fait que quand on pense à moi, on ne me répond pas. Je vais même quelque part, on me déteste pour rien. J'enlève le voile de rejet sur moi au nom de Jésus. Je reçois mon mariage. J'appelle cet homme qui a de l'argent. Cet homme qui est beau. Cet homme avec qui on va faire de grandes choses. Au nom puissant de Jésus. On va continuer ici là sans vous, Facebook. Bye bye.